Hey yo les amis, c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons découvrir une toute nouvelle map simulator sur Roblox. Cette map c'est Blob Simulator, vous allez voir ça a l'air super mignon. En fait il y a des petits blobs, on dirait vraiment des slimes un petit peu à la Slime Rancher. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit les faire grandir, est-ce qu'on doit les élever, je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est pour ça qu'on va découvrir ça dans cette vidéo. N'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos Roblox. Et sinon je pense qu'on peut y aller, c'est parti. Ok, me voici dans la map. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit blob. Au début, on nous demande de choisir un blob bleu ou un blob rose. Donc en gros, je pense qu'à mon avis, c'est genre fille, garçon. Donc moi, j'ai un blob garçon. On est ici, je vois qu'il y a des mondes déjà. En tout cas, le jeu, je le trouve très joli. Enfin, la map, je la trouve très jolie. C'est coloré, il y a du soleil. C'est ça que je reproche à pas mal de maps simulator. C'est qu'il y en a qui sont très vides. Alors que là, ça me fait un peu plus penser à Bubblegum Simulator, vu que c'est très joli à regarder. Donc c'est un gros point positif. Et je pense que cette map peut vraiment, peut-être avec le temps, plaire à beaucoup de personnes. En tout cas on va voir un petit peu, parce que ça a beau être joli, mais il faut aussi que ce soit amusant. Alors est-ce que par exemple si je clique sur une pièce, d'accord, est-ce qu'elle est en train de grailler la pièce? On va voir ce qui se passe. Ah, j'ai récupéré une pièce. Donc oui, il a graillé la pièce, d'accord. Nos blobs se nourrit de pièces, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. C'est quoi ça? It flows to earn stars, level up your blob using stars. Ah, apparemment il peut manger aussi des fruits. C'est à regarder, il vient de bouffer un fruit celui-là. Donc si je vais près d'un fruit, par exemple là-bas il y a une fraise, je vais essayer d'aller près d'une fraise. Et on va voir s'il peut grailler la fraise aussi. Donc on peut récupérer des pièces et des fruits apparemment. Alors ouais c'est ça, il est en train de grailler le fruit. On va voir ce qui se passe quand on mange un petit fruit des familles. T'as regardé le premier là-bas, il a déjà 5643 coins et moi j'en ai une, super. Il a gagné plus une étoile, donc ça veut dire, c'est quoi, c'est ultra désagréable le bruit là. En gros c'est de l'XP, voilà. Les fruits c'est l'XP et les pièces c'est l'argent. Allez vas-y, prends la pièce mon petit. On va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a ici. Il y a un magasin là. On va attendre qu'il finisse ses bails parce que j'ai peur en fait que ça annule son action. On a un truc ici, rewards ready. Ok, il y a un coffre là-bas. Attends, on essaiera de le prendre tout à l'heure. Et là il y a plein d'œufs qui sont déjà mis à disposition. Alors voyons voir. Ici on a un premier œuf qui coûte 275. J'ai récupéré pas mal de pièces là avec ce qu'il a récupéré. 275, ensuite 2500, ensuite 12000, ensuite 48000, ensuite 250000. Ouais, coming soon. 125 millions je crois mon gars, c'est abusé. Et là on a la prévisualisation des familiers qu'on peut obtenir. Ici 21 500 000, 4 500 000. Et ici il est vraiment stylé ce stuff là, 1 400 000. Ouais on va déjà essayer d'avoir 275 pièces. Je sais pas s'il y a des codes qui sont disponibles, je m'en renseignerai pour si jamais je fais d'autres épisodes. Mais là franchement si ça vous plaît, ce serait le genre de map simulator que je voudrais bien faire en série. Parce que je trouve la map très jolie et à mon avis elle nous réserve pas mal de bonnes surprises. En tout cas je mangeais plutôt bien dessus. C'est le début donc c'est un petit peu long, ce sera encore bien mieux quand on aura des familiers etc. Rewards, ah ouais il faut attendre 59 000 minutes. Donc je peux rien faire alors avec ça. Ouais mais gros on va pas attendre une heure. Clairement j'aurais pas le temps de tourner une heure les amis. Il y a le shop là, je vais voir ce qu'ils vendent dans ce shop. Alors regardez tout ce qui est Robux plus tard. On verra bien si je fais péter des Robux plus tard. Ça dépend de si je suis vraiment à fond dans la map ou pas, comme Bubblegum. Robux. Ah ouais donc c'est que en fait des trucs avec des Robux. D'accord, je pensais que c'était un petit shop pour nous acheter des, je sais pas, des trucs. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accessoires. Donc au final tout va être basé sur nos petits blobs. Voilà, nos blobs des familles. Il est toujours en train de grailler ou pas mon petit là? Je sais même pas où il est. Il faudra choper le coffre là. Si on arrive à choper le coffre, à mon avis ça va me donner masse. J'ai juste peur que quelqu'un vienne choper le coffre. Regarde lui, je le vois venir celui-là, Jukubax. Lui va forcément venir prendre le coffre. Et non, regarde-le, bah ouais, ils sont en train de grailler le coffre. Regardez, non, ils sont en train de faire une danse autour du coffre, mec. C'est nimble. Ouais, il faudrait que je pense aussi à manger des fruits parce que c'est bien beau de récupérer de l'argent. Mais il faut aussi peut-être XP notre blob, soit un peu plus performant. Mais tu vas me dire aussi que si on n'a pas assez d'argent, on peut pas acheter de famille. Et si on a plus de blob, et bah on est plus performant. Enfin bref, je sais pas trop sur quoi je dois me focus en premier. C'est lui mon blob là. Putain, mais le tas de pièces ici, mec, laisse tomber, ça prend masse temps. C'est quoi ça à droite? Vous avez besoin de 22 Robux? C'est un téléporteur. Pour l'instant, bon, je peux pas. Ah, mais si, il y a des codes. Hello, white at Roblox on Twitter. Faut exclure. Attends, je vais aller chercher les codes, les amis, et je vous montrerai ce que ça fait. Comme ça, vous aurez aussi le code pour vous. Je vois que tout le monde galère à avoir des codes. J'ai même pas l'impression, en fait, qu'il les ait partagés. Mais je vais tenter un truc, on va voir si ça marche. My bad. Ouais, ça marche, ok. Donc, le code my bad, ça fonctionne. Mais je crois qu'il normalement, il est censé y avoir d'autres codes.
Mais bon, voilà, au moins on a eu un petit gain de pièces, donc c'est toujours bon à savoir. Si vous mettez my bad, eh ben vous pourrez voilà, avoir un petit peu de pièces. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir 250 pièces, mais on va d'abord manger des fruits. Je pense que c'est plus rapide d'XP, surtout au début, hein, qui prennent au moins quelques petits niveaux. Là, notre blob des familles, parce que bah, le coffre, on n'est pas prêt de pouvoir le prendre, ou alors ça va prendre une éternité. Alors que les fruits, bah, ça va, ça dure 10 secondes à chaque fois. Fais-toi plaisir, mange des ananas, mon petit père. Et tu imagines que ça, c'est 20 000 $, mais comment tu veux pouvoir ouvrir le premier monde? Après, je suis au début, donc j'arrive pas trop à me rendre compte. Octave, là, il a 35 000 pièces. Donc, ouais, j'ai du mal à réaliser en fait que je pourrais peut-être obtenir dans cet épisode 25 000 pièces. Allez, graille des fruits, tranquillou, mon gars. Je vais voir aussi ici, regardez, là, on le voit. Et je crois que là c'est 1 pour dire qu'il est niveau 1, non? Ou alors fois 6, ça veut dire qu'il est niveau 6 peut-être. Ou alors il monte de niveau dans 6 étoiles. Je sais pas, on va voir, on va voir. Hop, on va reprendre un ananas ici. Et on va essayer d'arriver jusqu'à 10. Et ensuite, on essaiera de se choper le coffre là. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais lui, il va donner vraiment beaucoup, beaucoup, je pense. Fraises ici, vas-y. Les fraises, c'est pareil que les ananas. Ça demande seulement 10 secondes pour pouvoir les manger. Allez, fais-toi plaisir, gros. On va voir s'il y a 10, s'il se passe un truc ou pas. Vas-y, mange-le. Et ça, c'est quoi? Ouais, non, ça, c'est le shop. C'est un raccourci, en fait, du shop. J'ai 10 étoiles. Put back un upgrade blob 10 stars. Ah, c'est bon, je peux l'upgrader. Voilà, il est niveau 2. Est-ce que c'est toujours 10 secondes? Il va deux fois plus vite. Ah, ouais, ça va vachement plus vite. Regarde ça. Hop, il m'en faut combien? Alors maintenant, pour pouvoir l'upgrader, celui-là, faut 20 des étoiles. Eh ben, vas-y, on va essayer de récupérer. Hop. Encore 20 étoiles pour le faire monter encore d'un niveau. Et ensuite on se focusera sur les pièces pour avoir d'autres blobs des familles. Hop hop hop, bah vas-y, tu sais quoi, je vais faire ça, on se retrouve quand c'est fait. Ok, c'est bon, j'ai assez pour l'upgrader. Hop là, niveau 3. Alors voyons voir, attends, on va tester vite fait sur l'ananas ici. Est-ce que ça va beaucoup plus vite? Ouais, j'ai l'impression que ça va quand même vachement plus vite. Il y avait un coffre tout à l'heure, mais quelqu'un l'a pris apparemment. Bon, tant pis, on va voir si une pièce. Ouais, une pièce, ça va quand même assez vite, mais ça reste une pièce, donc c'est pas énorme non plus. Il faut combien maintenant pour l'upgrader, lui? Il faut 30 étoiles. Ah non, ça me donne quand même plus qu'une pièce. Je sais pas, j'hésite. Faudrait peut-être le level up encore une fois. Bon, allez, vas-y, vas-y, on fait ça. J'ai assez pour l'upgrader. Hop là, attention, il est niveau 4. Parfait, parfait. Alors, tu vas plus vite ou pas? Oui, bon, il va encore un petit peu plus vite. Bon, cette fois-ci, maintenant, je vais essayer de récupérer de l'argent. Il nous faut des blobs en plus. Donc, il faut qu'on réussisse à avoir 250 pièces pour en avoir un. Là, le premier œuf, là, qui coûte pas très cher. En soi, bon, ça va aller encore assez vite pour avoir 250 pièces. Ça ira. Attends, non, attends, je dis peut-être des bêtises. Je suis pas sûr que ce soit 250 pièces. J'ai peur que ce soit 2500, en fait. Non, ça va, ça va, ça va. C'est ni 2500, ni 250. C'est 275. Donc, ça va, c'est large, abordable. Là, en plus, il s'occupe d'un gros tas de pièces. Donc, ça va me rapporter pas mal. Allez, vas-y. Vas-y mon pote, donne-nous de l'argent, rends-nous riches. 155 pièces, c'est bon ça. Et cette grande là, elle donne combien alors? Ouais, ça demande quand même pas mal de temps pour en avoir une, donc ça doit être assez intéressant aussi, je pense. Allez, je vais farmer un petit peu les pièces. Bon les amis, j'ai assez pour acheter mon premier œuf, l'œuf tout jaune ici. Alors c'est parti. Would you like to? Oui. Attention. Oh, un baby red blob. Ok, donc c'est le même qu'on a, mais en rouge. Alors on va le voir, où est-ce qu'il est notre poteau là? Il est level 1 aussi. Hop, mais maintenant il se passe. Attends, je vais l'équiper. Voilà, il est avec nous. Maintenant, est-ce que ça va plus vite ou pas? Bon, ils sont à 2 sur. Ah, attends, il faut que je le mette aussi. Voilà, c'est un peu le même principe que Fame Simulator. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir en fait les envoyer pour qu'ils puissent chacun s'occuper de. Bah de trucs différents, voilà. Bon, je pense quand même que je devrais essayer les XP, les bonhommes, là. Ils iront quand même vachement plus vite. Par contre, laisse tomber, on n'arrivera jamais à découvrir la première zone dans cet épisode. C'est impossible, 20 000 $, c'est juste gigantesque. Mais du coup, s'ils se mettent à 2 sur un fruit, est-ce que, genre, c'est divisé par 2, les étoiles? Ah ouais, non, au final, non, ça s'accumule, en fait. On va devoir partager les étoiles. Mais ça va quand même plus vite quand ils sont à 2, du coup. Oh, attends, attends, attends. Ici, il y a des blocs qui sont occupés à prendre le coffre là. Je vais essayer de, voilà, d'envoyer mes blocs pour voir si je peux peut-être obtenir une petite partie. Parce qu'un coffre comme ça, ça doit vraiment donner énormément de pièces. J'imagine même pas combien ça doit donner. Par contre, ça va super lentement. Hein. Mais bon, on verra bien. Je vais attendre et on va voir combien ça nous donne. Regardez, je crois que... What? Il y a tout le monde qui vient près du coffre. Attends, ça veut dire que... Il peut venir comme ça, genre en mode inspecteur des travaux finis et avoir le même butin que nous. Bah, si c'est ça, alors moi je ferais pareil, hein. J'attendrais que des mecs se focus sur un coffre et j'arrive au dernier moment, tu vois. Bon, on va voir les amis, on va voir combien ça donne. C'est pas trop drôle, sérieux, de voir tous ces blobs tourner autour du coffre là comme des rapaces. Alors attention. Oh, 435 pièces, c'est nice ça. Parfait, on va pouvoir directement aller acheter un autre familier des familles, enfin un autre blob. Vas-y, hop, prends ça. Là, tu t'occupes de ça. Bah, attends, voilà, vous vous mettez à deux sur cette pièce là. Si on peut avoir, je sais pas combien en fait on peut avoir actuellement de blobs sur nous, je dirais peut-être soit 3, soit 4, 5, ça me paraîtrait un petit peu beaucoup. On verra, hein, on verra, on verra. Alors, c'est parti, on s'achète un nouveau blob. Alors.
Oh, un baby pink blob, c'est bien ça, on en a un de couleurs différentes, ça c'est pas mal du tout. Alors, il est là le bonhomme, tac, lui c'est le plus fort, il est level 4, donc 4-4, 2-2, c'est proportionnel au niveau. J'en ai 3 actuellement, j'aimerais bien essayer d'avoir assez de pièces pour voir s'il y a moyen eh ben, d'en avoir un 4ème ou pas dans notre team. Mais j'en doute. En fait, il faut que je regarde un peu, eh les gars, hop, voilà, vous êtes à 3 sur le tas de pièces. Voilà, lui il en a 3, Et c'est Joku, bah ce machin, il a quand même 1900 pièces. Donc je doute qu'on puisse en avoir plus que 3. Mais on va toujours essayer. Et dans tous les cas, si on peut avoir une espèce différente, un blob d'une autre couleur. J'aimerais bien avoir un jaune en fait. Tu vois, c'est un peu notre couleur. Ah non, j'ai de nouveau un rouge. Je suis dégoûté. Parce qu'on pouvait avoir un jaune, tu vois. Ou alors le commun. Ah, moins que ce soit le rouge commun. Ouais, tu vois, c'est pareil. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ah ouais, tu vois, je peux en avoir que 3 développes sur moi. Ah, dommage, dommage, dommage. Bah là, je vais les expé encore un peu et puis je pense qu'on se laissera là hein, pour ce premier épisode parce que clairement, impossible d'avoir les 20 000 $ là pour pouvoir ouvrir le désert, c'est impossible. Bon, voilà les amis, j'ai fermé un petit peu. On va XP, on va essayer de les mettre tous au même niveau. Donc lui, déjà, on va le mettre au niveau 4. Voilà, voilà. Bon, j'aurais pas du tout assez. Hop, et lui on s'en bat les reins. Allez, tu sais quoi, on va le monter au niveau 3. Et puis on se laissera là, il faut juste que je trouve des petits fruits. Bah là bas c'est parfait. Parce que c'est une map où je devrais farmer un minimum de mon côté. Parce qu'on n'arrivera jamais à avancer sinon en vidéo, voilà, ou alors je devrais faire des épisodes de 3 heures, donc autant que je m'avance un petit peu pour qu'on puisse à chaque fois faire des trucs super cool. Bon là c'est bon, normalement j'ai assez d'étoiles pour hop le level up encore une fois, c'est parfait. Et bah écoutez les amis, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Moi honnêtement, si vous aimez bien la map, je serais grave chaud pour continuer à faire d'autres épisodes en votre compagnie, parce que ça tu vois c'est une map simulator qui m'intéresse énormément et qui me donne vraiment envie de continuer et d'évoluer, de progresser. Du coup bah vous me dites tout ça dans les commentaires, vous me le montrez aussi avec les petits pouces bleus hein, que vous kiffez. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne ici si ce n'est pas déjà fait, ou checker deux de mes autres vidéos ici. Bref, vous me direz tout ça, c'est votre Ictos, prenez soin de vous, portez-vous bien, bye tout le monde.